mon fun, c'est quand je fais un film, c'est d'essayer que les gens qui voient le film, qui aient du fun en le voyant, qui s'amusent en le voyant, que ça les intéresse. Et partant de là, leur offrant un spectacle comme ça, aborder des sujets qui peuvent provoquer après une certaine réflexion ou certaines discussions sur les problèmes qui sont mentionnés dans le film. Vous savez que les acteurs, ça mène pas une bien bonne vie, mais c'est un grand cœur. Il n'y a aucune exagération. Tout ce qui est dans le film est vrai et même la réalité est encore au-dessus de ce qui est dans le film. Et ça, tous les gens du métier s'accordent pour le dire. Ils le diront peut-être pas publiquement des fois. Certains qui sont assez honnêtes vont le dire. Parce que c'est vrai que la réalité dépasse toujours la fiction, que si tu veux qu'on y fasse. Ben oui, à mon âge, j'ai 19 ans, puis je suis alcoolique, c'est pas assez pour écœurer une fille, ça. Depuis l'âge de 13 ans que je m'entraîne partout. J'ai plus d'expérience que ma mère qui a 50 ans, puis ça commence déjà à apparaître dans ma face. Alors, regarde-moi. Ceux qui sont les plus pourris, les plus... Les plus visés, c'est ceux qui sont à la tête du système, ceux qui sont déjà les vedettes, ceux qui sont les patrons, ceux qui dirigent cette espèce d'empire d'argent-là, et qui, eux autres, sont plus visés et qui, eux autres, sont plus responsables. On se ferme la trappe, toi et deux, puis tout est parfait. Toi, t'as ta star, ta compagnie est contente, puis moi, j'ai un 2500 piastres clair. Mais il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, et tant mieux s'ils se reconnaissent, puis même s'ils pouvaient les viser avec un projecteur chaque fois que leur personnage passe sur l'écran, je le ferais.